C'est vendredi, et c'est n'importe qui, et c'est vraiment n'importe qui, parce que c'est moi. Et oui, et certains font des jeux de mots, d'autres viennent avec toute leur bibliothèque vous montrer toutes leurs BD dont on n'a rien à foutre, et moi, en fait, je vais juste vous donner le sommaire. C'est une nouveauté, c'est tout nouveau. Donc aujourd'hui, on va avoir une critique de Project Gotham Racing 4 sur Xbox 360. Une minute pour parler d'eux, on espère. Et puis, les critiques, manga et animé. Et tout de suite, c'est les news. Après la présentation hier du Chibi Japan Expo, voici la partie pratique pour pouvoir s'y rendre en toute quiétude. A l'instar de l'édition classique, c'est le parc d'exposition de Paris Nord Ville Peinte qui accueille le festival. Pour y accéder, deux options se dégagent. Soit emprunter le RER B en s'arrêtant à la station Parc des Expositions, soit prendre les autoroutes A1, A3 ou A104 en sortant à Parc des Expositions, accès visiteurs. Évidemment, une fois arrivé, mieux vaut avoir un billet acheté en pré-vente sous peine de faire quelques heures de queue. Comme d'habitude, prévoyez les DS et PSP pour passer le temps en multijoueur dans les files d'attente. Il faut aussi retirer de l'argent en liquide avant de se rendre à la convention car les distributeurs y sont rares. Nobuo Yamada, l'ex-chanteur du groupe Make-Up, Pegasus Fantasy, Ayan Blue, Blue Forever, sera en concert dimanche prochain au Sentier des Halles à 20h30 à Paris. A noter que seulement 100 places sont disponibles à la vente. On vous en parlait dans les jeux téléchargeables de la semaine dernière, revoici Toy Home. Les amateurs de micro-machines ne seront pas dépaysés puisque, pour rappel, il s'agit d'un jeu de course avec de petites voitures en guise de bolide. Les différents circuits prennent place dans des endroits insolites comme des chambres d'enfants remplies de jouets. Prévu uniquement pour le PlayStation Network, le titre sera disponible en fin d'année. Disponible depuis le 1er août dernier sur le PlayStation Store japonais, Tekken 5 Dark Resurrection Online sera téléchargeable chez nous le 8 novembre prochain. Ce titre est en fait la version en ligne du jeu éponyme, sorti en France en mars dernier. Évidemment, la possibilité de se mesurer à n'importe quel adversaire et d'obtenir un classement allonge considérablement la durée de vie du jeu. D'autant plus qu'un vrai mode survival vient s'ajouter à tout cela. Electronic Arts a décidé de bousculer un peu les habitudes des joueurs avec SimCity Société, un épisode différent de ses prédécesseurs. Il ne sera en effet plus question de gérer uniquement une ville. Le joueur pourra la personnaliser pour la faire ressembler à la cité rêvée. Cette évolution du concept est osée, mais elle pourrait bien attirer un public plus large. Alors, je vais profiter d'être ici pour expliquer deux, trois petites choses parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas très bien compris comment ça marchait à No Life, notamment au niveau de la diffusion. Parce que vous savez qu'en fait, il y a un programme qui s'occupe de faire les playlists, la liste de tous les programmes que vous voyez sur No Life. Et ce programme, on l'a appelé Marvin. Donc, si vous voyez deux clips à la suite ou des choses un petit peu bizarres, comme des bandes-annonces qui repassent quatre fois ou ce genre de choses, ben, c'est Marvin qui déconne. Donc, ça, c'est de la faute à Marvin. Par contre, parfois, il y a aussi des problèmes de diffusion, c'est-à-dire des programmes qui s'arrêtent, plus de chaîne, un message d'erreur. Et là, c'est pas de la faute à Marvin, donc c'est pas de notre faute à nous. Dans quelques secondes, la critique de Project Gotham Racing 4 sur 360. Alors là aussi, j'ai quelque chose à dire, parce qu'il se trouve que le jeu que vous allez voir, on a eu un petit problème à la capture quand on a joué. Le jeu, il sortait que du PAL 60. Et il se trouve qu'avec notre matériel, on ne peut pas capturer de PAL 60. Donc on a trouvé une solution, mais l'image n'est pas aussi belle et aussi fluide que ce que vous aurez chez vous, dans votre salon, quand vous jouerez à ce jeu. Donc voilà, si vous achetez ce jeu, ben, il sera beaucoup plus joli que ce que vous allez voir. Donc tout de suite, la critique. Comment ça se fait qu'on n'a pas le matériel pour faire des belles captures ? On n'a pas le matériel parce qu'on n'a pas d'argent. Project Gotham Racing est la licence de course automobile tête d'affiche sur Xbox. Cette licence remonte en fait à Metropolis Street Racer sur Dreamcast, publié par Sega à l'époque, mais qui proposait déjà les bases du gameplay de la série. PGR, comme on l'appelle, avait fait sensation sur Xbox, et PGR 3 était l'un des premiers jeux disponibles sur la 360, souvent utilisé pour démontrer la puissance de la console. C'est maintenant qu'arrive PGR 4, une évolution de la série qui affine une formule toujours gagnante, qui ajoute au jeu des intempéries et la présence de motos.
Le concept de PGR, c'est la course en milieu urbain. Plutôt arcade que simulation, avec une multitude de modes de jeu et toujours du style. C'est très important. Car c'est en effectuant des figures de style, des dérapages et autres performances que l'on gagnera des kudos, les points du jeu, qui serviront pour les classements, comme pour acheter des packs de nouvelles voitures ou bien de nouveaux circuits. D'ailleurs, petite parenthèse culturelle, kudos, c'est du grec, et c'est synonyme de bravo en américain d'aujourd'hui. Dommage que ce ne soit même pas indiqué dans le manuel. PGR 4 repose donc, comme ses prédécesseurs, sur la collecte de kudos pour le joueur. Une multitude de modes de jeu sont disponibles en single. Course contre des adversaires bien sûr, mais aussi des défis de vitesse, de drift. On compte aussi un mode élimination, où le dernier de la course sera éliminé à intervalles réguliers, forçant le joueur à atteindre au plus vite la première position. Les véhicules sont classés par catégorie de puissance, permettant d'équilibrer les courses. Nous disons bien véhicules, car une des grosses nouveautés de PGR 4 repose sur l'inclusion des motos. Les Ninja, Hayabusa, mais aussi des Triumph et Ducati sont présentes, et le joueur sera libre de choisir moto ou voiture, ce qui mène à des affrontements entre les deux catégories, plutôt rares dans les jeux de ce type. Dans le jeu solo, outre les différents challenges présentés, il y a aussi le mode carrière, le mode principal. Le joueur y commence en tant qu'amateur, avec quelques véhicules et un garage mal rangé. Et il faudra gagner des courses et amasser les kudos pour progresser au classement, pour devenir tout simplement le meilleur pilote professionnel au monde. Ce mode carrière est basé sur un calendrier, qui proposera au fur et à mesure différentes épreuves. Et en parlant de calendrier, la saison influera sur les conditions climatiques, une des autres nouveautés de cet épisode. Non seulement la pluie, la neige et le brouillard sont très bien rendus, mais en plus les intempéries sont variables. Un orage peut très bien se déclencher pendant la course, puis se calmer avant le dernier tour. Évidemment, qui dit orage dit formation de flaques d'eau traîtresse, et il faudra donc bien faire attention à la météo. Dernier point d'importance, le mode online. PGR 3 était déjà assez complet, mais le 4 va plus loin. On peut maintenant constituer des équipes entre amis et faire du versus. De nouveaux modes permettront de jouer à chat avec les autres véhicules ou de customiser complètement son mode de jeu. Et bien sûr, on peut uploader des fantômes de ses meilleures performances, mais aussi des photos de sa voiture en pleine action, avec réglages très complets, de la couleur jusqu'à la mise au point. PGR 4 est vraiment extrêmement beau. Les détails amenés par le rendu des intempéries sont superbes et la profondeur de vision du joueur dans le circuit est exemplaire. L'arrivée des motos est quand même bienvenue, même s'il est souvent un peu trop facile de récupérer des kudos avec. Un point appréciable, le mode online s'intègre discrètement au gameplay. Même après une course solo, il suffit d'une pression sur un bouton pour prendre un coup au moral en voyant les meilleurs classements mondiaux du circuit. On regrette quand même le manque d'évolution de la licence. Il n'est toujours pas possible de modifier les réglages de la voiture et les déformations dues aux collisions ne sont que sommaires et sans vraiment grande importance. Avec 120 véhicules, le mode carrière et les possibilités du mode online, PGR 4 propose de quoi occuper son acquéreur pendant de longues soirées d'hiver. Quelle belle critique! Bon, à part le petit problème technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. J'espère que vous en souvenez. Donc il y a encore quelques petites choses, notamment il y a encore des gens qui nous demandent « Mais pourquoi vous ne faites pas d'émissions en direct ?» Ben nous on aimerait bien faire des émissions en direct, mais ce n'est pas possible, parce qu'on utilise un serveur de diffusion, et le serveur de diffusion, il faut envoyer, il faut uploader les programmes sur ce serveur. C'est des fichiers tout bêtes qui sont mis à la suite et qui sont envoyés sur votre télé. Donc voilà, on ne peut pas faire de direct encore, mais on espère qu'un jour ce sera le cas. Donc maintenant, on va regarder la minute pour parler d'eux. Enfin, peut-être. Aujourd'hui, dans une minute pour parler d'eux, on va parler d'eux. Ça fait répétition, mais j'adore la répétition. On va parler d'eux, câble RGB. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ottenbrook. Bonjour. Jean-Michel, vous êtes donc renifleur de cul de vache. Ah non, non, pas du tout. Je suis peintre en bâtiment. Je n'avais pas du tout ça sur mes fiches, il va falloir que je punisse mon assistante. Ça marche pas. Je pourrais jamais le faire tout seul. Vous savez que vous êtes l'âme de l'émission. Oui, je sais. Regardez. I-A, I-A, I-A. Non, non, l'âme. Ah, comme la chanteuse. Mmh, oui. Il était mon Pygmalion. Vous savez que vous êtes mon Pygmalion ? Ah non, moi mon préféré c'est Shiryu, le chevalier du dragon.
Bon, ok. Il se rappelait jamais de comment je m'appelle ou de quoi que ce soit, mais quand même, il me manque. C'est ici, c'est ça? D'accord. Bonjour. Bonjour. Je suis l'animateur de l'émission et vous êtes... Jean-Michel Ottenbrook, bonjour. Bonjour, enchanté. Je suis l'animateur de l'émission. Et vous êtes ? Jean-Michel Ottenbrook, mais je vous l'ai déjà dit il y a 2 secondes. D'accord, excusez-moi, je suis désolé si j'oublie un petit peu. C'est parce que j'ai une mémoire à court terme qui ne marche pas. Comme dans le film Memento, vous l'avez vu ? Memento ? Memento ? Ah, c'est un film, ça ? Non, je ne l'ai pas vu, non. C'est bien ? C'est vous qui m'en avez parlé il y a 2 secondes, là ? D'accord, oui, oui, c'est moi, l'animateur de la mission. Vous m'avez reconnu, oh oui, d'accord, encore en autographe. Mais vous êtes qui ? Jean-Michel Ottenbrook ? Ottenbrook ? Ben, j'ai pas de stylo. Je ne peux pas vous dédicacer un truc. Bonjour, je suis animateur de l'émission, vous êtes ? Jean-Michel Ottenbrook. D'accord. Et maintenant, la critique animée et manga avec Sazanize et Ghost in the Shell. Alors, j'ai un petite chose à dire à propos de Sazanize, et pas à propos de l'anime, mais à propos du manga. Parce que moi, j'ai suivi le manga, et il y a quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'on veut aller acheter un manga de Sazanize dans une boutique, les mangas sont classés par ordre alphabétique. Alors Sazanize, on ne sait jamais. Est-ce que ça va être classé au début par ordre ASCII ? Donc ça commence par les chiffres, donc 3, est-ce que 3 va être au début ? Est-ce que ça va être à T comme 3 ou est-ce que ça va être à S comme Sazanize ? Il se trouve que j'ai vu les 3, c'est-à-dire que j'ai vu classé au début, je l'ai vu classé à T, je l'ai vu classé à S. Donc il faudrait quand même que les gens se mettent un petit peu d'accord. Ça ne m'a jamais empêché de lire le manga, mais bon, voilà, ça m'énervait quand même. Biz continue d'exploiter une de ses licences les plus prestigieuses, Ghost in the Shell. Après l'excellent Solid State Society, c'est au tour de 2 téléfilms de sortir en DVD. Le premier de ceux-ci, appelé Le Rieur, est un remontage de la première saison de Standalone Complex. Rien de bien nouveau pour ceux qui ont déjà vu toute la série, mais séance de rattrapage intensive bienvenue pour ceux qui l'auraient manqué. C'est durant un marathon de pas moins de 2h40 que l'on peut redécouvrir la majeure partie de l'intrigue de cette série. Le Rieur est un hacker surdoué qui avait fait parler de lui lors d'un enlèvement spectaculaire en direct à la télévision, sans rien dévoiler de son identité. Bien sûr, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, infime élément d'une affaire impliquant les plus hautes autorités de l'État. Et quand la section 9 s'en mêle, elle ne s'arrêtera qu'après avoir fait éclater la vérité, quoi qu'il en coûte. Si le film s'en tient seulement au cœur de l'histoire, certains passages ont été réduits à l'extrême malgré tout, et le visionnage plus complet de toute la saison pourra apporter quelques éclaircissements à une intrigue déjà bien tarabiscotée. Le travail sur le packaging est toujours très soigné, et le digipack de l'édition collector est particulièrement agréable. Au niveau des bonus, sur le premier DVD, un petit épisode de La vie des Tachikoma, et sur le deuxième, le plus gros morceau est un entretien d'une demi-heure entre le réalisateur et la voix japonaise de Kusanagi. En parlant de ceci, on préférera regarder sans doute la version originale sous-titrée, qui, de par nature, est plus concise que la version doublée. Ce n'est pas un luxe à se refuser pour un téléfilm aussi volubile que celui-ci. La version française se défend surtout grâce à ses comédiens principaux, très à l'aise quand il s'agit d'incarner les personnages de la section 9. Les rôles secondaires sont moins réussis, et sur certaines scènes, on peut sentir une confusion envahir tout le monde, l'équipe se faisant clairement dépasser par l'histoire, ce qui n'aide pas le spectateur à rester concentré sur le puzzle qui se reconstitue patiemment tout au long du film. Bref, ce gros morceau peut être déconcertant pour ceux qui n'ont pas l'habitude des intrigues futuristes bien denses. Les autres seront aux anges et auront du grain à moudre pendant quelques temps. はじめまして。ですけど、僕が誰だか分かりますよね。あれは…どうなってんだよ、おい。おい、どうしたんだ、タッカロ。僕はね、ダイドーさん。もはや、あなたたちの世界に関わるべきではないと考えていたんですよ。その吐き溜めのような世界に付き合っていると、本当に嫌になっちゃうんだ。だからあんたらの茶番劇にだってあれからずっと口出ししなかったでしょ。全部分かってたのに。言ってみれば大いなる無駄に疲れちゃったんです。残念ながら。
Voilà, c'est bientôt terminé pour ce 101% et pour moi. Je vais encore vous embêter avec les histoires techniques parce qu'on en reçoit beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi nos lives ne diffusent pas entièrement en 16.9. Eh bien, en fait, on ne diffuse pas entièrement en 16.9 parce qu'on a aussi des programmes en 4 tiers. Il y a beaucoup de vieux jeux qui sont en 4 tiers. Quasiment tous les vieux jeux sont en 4 tiers. On a énormément de clips en 4 tiers. Et il y a des émissions qui ont été tournées en 4 tiers ou qui ne, enfin, qui n'y a aucun intérêt de les faire en 16.9. Et les animés aussi. Les animés qui sont en 4 tiers. Donc, plutôt que de couper en haut en bas, c'est ce que font d'autres chaînes sur la TNT, certaines chaînes qui diffusent qu'en 16.9, on a choisi de diffuser en 4 tiers et en 16.9, de faire ce qu'on appelle une diffusion mixte. Donc ça s'adapte à chaque programme en fait. Et on est une des rares chaînes à le faire. Donc c'est quand même pas mal. Ah oui, 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 aussi quand même. On n'arrête pas de nous dire qu'on a une super qualité par rapport aux autres chaînes sur Free. C'est normal parce qu'on encode nous-mêmes les programmes. Ça passe pas par un encodeur hardware qui fait au minimum, c'est le minimum syndical de compression. Non, on les fait nous-mêmes et du coup c'est beau. Enfin c'est beau dans ce qu'on peut faire, hein, mais il y a des limites quand même.